Adoration, c'est pas en question de chanter, mais c'est en question de amour, en question de respect pour Dieu. Adoration, aller au-delà d'un simple chant. Donc, si ou là, on regarde cette vidéo, ça, donc, nous là pour nous capables continuer à parler de qui ça adoration lui-même lié. Nous avons 3 vidéos que nous présentons déjà, donc ça c'est 4e numéro dans série ça que nous a présenté. Dans série ça, nous allons présenter 3 mots grecs. Nous avons présenté déjà 3 mots hébreux, mais nous allons commencer jeudi à présenter 3 mots grecs. Tout ça dans le sens pour nous capables bien comprendre qui ça adoration lui-même est capable de dire. Donc, premier mot grec que nous avons présenté, c'est le mot seboumai. Seboumai. S-E-B-O-U-M-A-I. Seboumai. C'est un mot grec qui nous aide à comprendre le sens de l'adoration. On va regarder pour que tout mot que nous avons présenté, il y a gagné des points de ressemblance. Des points de ressemblance, côté que majorité mot a parlé de crainte, il a parlé de respect que ou gagnez pour bon Dieu et que ou manifestez pour bon Dieu qui veut dire que ou adorez bon Dieu tout bon. C'est Boumaï, il veut dire avoir une grande crainte, un profond respect, une admiration illimitée. Avoir une grande crainte, un grand respect, une admiration illimitée. Une admiration illimitée. Une admiration illimitée. Moi, pratiquement, j'aime l'expression une admiration illimitée dans la définition ça. Une admiration illimitée. Donc, le fait d'adorer Dieu, c'est le fait d'admirer Dieu, le fait de le contempler. Le fait de l'admirer, le fait de le contempler. Est-ce que vous parlez de l'or gombaraï ou gombaraï qu'on rêve? Elle est tellement belle qui j'en vois prendre temps de temps en temps pour regarder, pour passer main. Vous comprenez ça me veut dire? Donc c'est ça l'adoration. L'homme adorer bon Dieu, c'est admirer, admirer bon Dieu, admirer sa beauté, admirer sa splendeur, admirer sa sainteté. Donc, c'est ça qu'il aura fait leur venir pour adorer bon Dieu. Malheureusement, nous avons fait un triste constat de nos jours, c'est que, dans dimanche matin, côté que nous disons, nous venons un culte d'adoration. Nous relions un culte d'adoration. Et l'autre regardé moi même appellation que nous avons avec ce service-là, nous relions un culte d'adoration. Et malgré que nous relions un culte d'adoration, ouais, c'est dans moment ça que mon yo a crié, a plaigné dans bon Dieu que kay pa ka payer, que au besoin l'argent pour voir ti mon yo l'école, que c'est là ça mon te besoin visa, là ça mon te gen malade qui te besoin guéri pendant ou vinn nan yon culte d'adoration. Là vinn nan culte d'adoration, c'est pas besoin personnel ou vinn présenter à Dieu. L'ouvrir un culte d'adoration, c'est pas kay pa ka payer à qui intéresser bon Dieu, mais on vient pour contempler bon Dieu, on vient pour admirer bon Dieu, on vient pour chouchouter bon Dieu, on vient qu'est. Par contre, si vous voulez comprendre ça cap exprimer non mot ça. Donc c'est ça on vient faire, on vient adorer bon Dieu. On nous réfléchit avec ça pour que l'on nous réunit dans un culte d'adoration. Pour nous pas venir avec tout le problème nous. Parce que déjà, le problème qu'on vient avec, là, il est déjà empêché pour rentrer dans la présence de Dieu pour adorer le tout bon vrai. Parce que l'eau de problème, ça, l'eau de maladie, l'eau de souci, ça, qu'on vient avec là, donc, il sert comme un blocage pour l'eau vient adorer bon Dieu, oublier tout ou même. Et, une bonne nouvelle pour vous. Ou alors, venez adorer bon Dieu, oubliez tout ou même, ou commencez à contempler bon Dieu, ou rencontrer tout bon vrai avec bon Dieu, parce que l'adoration, c'est une rencontre avec Dieu. L'adoration en esprit, en vérité, que la Bible a parlé de l'IA, c'est une rencontre avec Dieu. Qui est-ce qui a rencontré avec bon Dieu pour ta malade ou maladie à disparaître? C'est si bon Dieu pas ta vle. Qui
qu'est-ce qu'il a rencontré avec bon Dieu pour tourner même genre? Donc, c'est ça que Bible a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Donc, l'envie d'adorer bon Dieu, oubliez si Kaila va te payer, adorer avec tout cœur. Et me garantir, c'est garder, ou garder comme Kaila vini. Adorer bon Dieu sans arrière-pensée, sans rien attendre en retour. Parce que, ou adorer bon Dieu pour sa bon Dieu y est, pour sa bon Dieu représenté dans la vie. C'est Boumaï, c'était mot grec que nous t'apprenons aujourd'hui. C'est Boumaï, là veut dire avoir une grande crainte, un profond respect, une admiration illimitée. Et une admiration illimitée fait nous croire que adoration pas un commencement, pas une fin. Après pour l'autre vidéo.